Dieu vivant soit loué. Voilà ce que ce chant veut dire. Bonsoir à tout le monde. Nous sommes en direct sur TV et radio de vie, mes amis. Que le Seigneur soit béni. Adonai, roi d'Israël, roi des peuples, roi des, na des nations, nous voulons te rendre toute la gloire. Seigneur, soit béni pour l'œuvre de la croix. Nous voulons te dire merci pour toutes les, be toutes les belles choses que tu nous permets de vivre. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, mes amis. Nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Et euh, je voudrais euh, d'abord dire merci au Seigneur, euh, également aux frères et sœurs qui euh, étaient venus nombreux hier, hier dimanche, à Bordeaux pour euh, prier Dieu avec nous, prier le Seigneur ensemble avec nous. Merci aux frères et sœurs de Montauban qui se sont mobilisés, aux frères et sœurs de... Et, euh, de Toulouse, aux frères et sœurs de, euh, de, de Niort, de Poitiers, et euh, de Bordeaux, de, 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 de Pau, qui étaient là aussi. Vous étiez nombreux à venir à ce programme. Et quand je suis arrivé, honnêtement, euh, quand je suis arrivé au lieu de la réunion, j'étais très surpris de voir cette soif, cette soif qui vous anime, de voir ces frères et sœurs mobilisés. Et. Euh, et tous travaillant pour le Seigneur, pour la défense de la sainte doctrine. En tout cas, j'étais dans la joie. Dans la joie de voir cette présence également de Dieu qui était là parmi nous. Et, euh, et ces besoins immenses qui, que vous avez pour euh, entendre parler du Seigneur, de la vérité qui a franchi. Et euh, mes amis, continuez à prier dans ce sens. Et notamment cette sœur que j'ai failli oublier, qui, qui est venue de Corse, qui a pris l'avion, qui est venue à ce programme. Et euh, honnêtement, ça nous a encouragés de voir aussi des frères et sœurs qui étaient là la veille et qui, qui, qui sont assoiffés, amoureux du Seigneur. On a pu voir des frères et sœurs de différentes nationalités, euh, des Français, des, des euh, Français euh, euh, blancs, Français noirs, Français arabes, Français et, euh, et, euh, métis, Français et, euh, asiatiques, euh, des îles, tout ça en tout cas. C'était une grande familière à Bordeaux et j'ai été beaucoup, beaucoup encouragé que le Seigneur, en tout cas, se souvienne de vous. Mes amis, sans plus tarder, nous allons attaquer sur la dernière trompette. La dernière trompette. Nous allons rapidement prendre 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Il y a 1 Corinthiens, chapitre 15, pardon. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 52. Donc, je pense que les frères et soeurs chez eux voient le tableau de la BGC. Voilà, merci l'équipe. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 52. Et, euh, alors, 52, on ne l'a pas de l'autre côté. Voilà, c'est pas... Ce pas grave, donc c'est bon. Je vais le lire sur ma, sur ma Bible ici. Voilà, 1 Corinthiens 15, 52. On peut même commencer à partir du verset 50, 51. C'est bon Ça passe Ok, on va recommencer. Voilà, là, je pense que cette fois-ci, ça sera bon. Et euh Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas ce site, hein, c'est le site de la Bible que nous avons révisé, la BGC, la Bible de Jésus-Christ. Et vous avez euh, sur le tableau de droite les écrits euh, grecs, hein, majoritaires bien sûr. Et, euh, et sur la gauche, vous avez la BGC. Voilà, donc ça ne prend pas, c'est bizarre. Je crois qu'il y a un souci. Euh, un souci avec ce site donc là on va faire appel aux techniciens qui vont pouvoir nous aider chacun à sa grâce on va continuer à descendre on ouais, va peut-être encore euh, 15, 52 voilà voici je vous dis un mystère à partir du verset 51 nous ne dormirons pas tous Pardon. Mais tous, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera, la trompette sonnera et les morts en Christ, les morts en Christ ressusciteront. Voilà, la trompette sonnera et les morts, n'est-ce pas ressusciteront, n'est-ce pas, avec, bien sûr, des corps incorruptibles. Donc, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. Voilà. Donc, voici, je vous dis, un mystère. Écoutez bien, ici, on souligne bien le mot mystère. Je vous dis, un mystère. Donc, Paul nous apprend que... La dernière trompette a un rapport avec un mystère. Voilà. c'est Parce que vous savez, le chiffre 7 est très important hein, en hébreu. Et, euh, et là, donc, il nous apprend que la dernière trompette, n'est-ce pas, est liée à un mystère que nous allons découvrir. Et il dit justement que nous ne dormirons pas tous. Alors, le mot utilisé ici, c'est vraiment dormir. Hein. D'autres disent, nous ne mourrons pas. En fait, Dieu voit la mort comme étant un sommeil. Voilà, même quand Lazare est décédé, le Seigneur disait, n'est-ce pas, Lazare dort, je veux le réveiller. Mais nous serons changés, nous. Hein, nous ne dormirons pas tous, euh, mais tous nous serons changés. C'est-à-dire, et ceux qui sont vivants, parmi les chrétiens bien sûr, et ceux qui sont morts, toujours et les chrétiens, et les vivants et les morts seront changés. Alors, changer ici, c'est euh, euh, métamorpho, hein, grec, le grec métamorpho. Et euh, c'est la, la transformation. Voilà. Donc là, on va voir euh, maintenant le mot, euh, comment dire, euh, le, euh, la dernière, le mot dernière, donc dernière trompette. Et euh, on va juste vérifier le, le mot escatos traduit par dernier. Voilà, merci. Donc, Paul nous apprend que la septième trompette, la, la dernière trompette a un rapport avec un mystère. Et il nous dit que cette trompette-là, qui est la dernière, hein, euh, pardon, que cette trompette-là qui a un rapport avec un mystère, est la dernière. Alors, quand on va vérifier le mot dernier en grec, pardon, et le mot dernier ici, il bah, vient de, du grec eskatos. Eskatos euh, qui euh, signifie et, euh, euh, extrême ou encore dernier en temps. Hein, last in time or in time place. Donc, dernier en temps ou lieu. Ou encore dernier dans des séries de lieux. Dernier dans une succession dans le temps. Voilà. Donc, en fait, le mot eschatos traduit par dernier ici nous apprend qu'il euh, y a eu, en fait, d'autres hein, choses avant. C'est-à-dire, quand Paul parle... Euh, de la dernière trompette, il faut comprendre qu'il y a eu d'autres trompettes avant, avant celle-ci. Et nous comprenons en lisant, mes amis, euh, euh, Apocalypse chapitre 8, euh, tout ça, notamment la, le retentissement de cette trompette. Et là, nous comprenons que, en fait, les sept trompettes, n'est-ce pas, euh, 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 ont déjà pratiquement retenti, sauf la dernière parce que c'est celle-là que, celle que nous attendons, la septième trompette. Et nous apprenons que la, la, les sept trompettes dont parle Apocalypse, mes amis, Paul les connaissait. Paul en avait reçu la révélation, et surtout, il a été éclairé par le Seigneur sur la dernière. Parce qu'il a bien dit, hein, c'est la dernière dans une succession des choses. Donc, il y a eu d'autres trompettes avant la dernière, et on en a parlé justement, on a parlé de la première trompette, on a parlé de la deuxième trompette, de la troisième, de la quatrième, de la cinquième, de la sixième, et ce soir, on va développer justement, euh, euh, enseigner sur la septième trompette qui est la dernière. Et beaucoup de gens disent, des théologiens nous enseignent que la dernière trompette dont Paul parle ici n'a rien à voir, selon eux, avec les sept trompettes d'Apocalypse. Mes amis, vous qui connaissez le grec. Vous voyez bien que le mot eschatos ici signifie littéralement, que, signifie littéralement dernier dans une succession des choses en temps et en lieu. N'est-ce pas Donc on voit bien que la dernière trompette dont Paul parle ici n'est autre que la septième trompette dont parle le, le prophète Jean dans le livre d'Apocalypse. Et regardez bien, regardez bien mes amis. Paul dit que la septième trompette a un rapport avec un mystère. Et regardez ce que Jean dit dans Apocalypse 10, verset, le verset 7. Apocalypse chapitre 10, le verset 7. Et vous allez voir que la parole de Dieu, c'est complète. Hein? Les, les prophètes euh, euh, suivent tous la même trame. Regardez ce que Jean dit, ce que l'ange dit à Jean, mais qu'au jour de la voix du septième ange, donc, vous voyez bien je vous avais dit que les sept trompettes sont sept voix ou sept paroles. Mais qu'au jour de la, sept, de, la, de la voix du septième ange, quand il commencera à sonner de la trompette, le mystère de Dieu sera accompli, comme il a déclaré à ses serviteurs les prophètes. Or, Acte chapitre 13 nous apprend que Paul était prophète. Et Jean dit que quand la septième trompette va retentir, le mystère de Dieu sera accompli. Oh! Et de quel mystère Paul parle ici? Eh bien, Jean parle ici, de quel mystère parle-t-il? Eh bien, on revient encore hein, sur 1 Corinthiens 15, 51 à 52. Jean, l'apôtre nous dit que quand le, le, le septième ange commencera sonner la trompette, le mystère de Dieu sera accompli comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et Paul nous dit ceci, voici je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas, nous ne dormirons pas tous, mais tous nous serons changés. Donc, le mystère qui sera accompli, c'est la transformation des corps des chrétiens morts et vivants. Et on va voir, mes amis, euh, le, 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 cette transformation la changer-là. On va vérifier le mot changer ici. Hum? Et vous allez voir que ça va vraiment euh, nous aider. Le Seigneur est, est bon. Et euh, le Seigneur va, va vraiment nous, nous, et, euh, nous, nous, nous changer, nous aider. Et Paul est clair. Paul est catégorique. Et il dit... Ici, que tous nous serons changés, changés ou encore échangés une chose pour une autre, transformés, n'est-ce pas? Transformés. Et, euh, et euh, donc là, le mystère dont il est question ici, c'est la transformation, n'est-ce pas, des chrétiens, la transformation des saints. C'est notre transformation et c'est ce que nous, 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 nous cherchons, ce que nous, nous attendons tous. Il est question ici, littéralement, de la résurrection. Donc, la septième trompette va déclencher la résurrection de, de, de chrétiens, la résurrection, mes amis, euh, 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 des, des saints qui sont morts en Christ et la transformation aussi. Des chrétiens qui seront, mes amis, euh, vivants à l'époque de l'enlèvement euh, 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 de, de l'Église. Voilà. Or, cette résurrection va intervenir le jour de la euh, de, 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 du retour de Yeshua, le jour de l'enlèvement de l'Église. Allons voir dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13. Je dis bien que la septième trompette va, n'est-ce pas, euh, euh, révéler, hein, le mystère, donc, ou le mystère de la résurrection. la septième trompette va permettre mes amis euh, au sein d'être transformés. paul dit, or mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. car si nous croyons que jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi, ceux qui dorment en Jésus, Dieu les ramènera avec lui. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui vivrons et resterons pour l'avenement du Seigneur, nous ne précéderons pas ceux qui dorment. Car le Seigneur lui-même, car le Seigneur lui-même, donc la septième trompette a un rapport avec le Seigneur lui-même. Waouh Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement. Et on va cliquer sur la, la, le, le commentaire qu'on a mis là, le cri de commandement. Hein, L'expression euh, euh, cri de commandement vient du grec, hein, que lema, ce mot signifie un ordre, et en particulier un cri stimulant, comme celui que reçoit un animal dressé, pressé par un homme, tel les chevaux par les conducteurs du chariot, les chiens de chasse par les chasseurs, etc. ou par lequel un ordre est donné par le capitaine d'un navire aux soldats, par un chef, voilà, et aux soldats par un chef. Donc euh, voilà, donc c'est bon. Donc voyez bien que nous dit que car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement et une voix d'archange. Waouh. Donc Yeshua hein, remplit tout. Il est le Dieu Tout-Puissant, il est l'ange de Yahweh, il est, il est le messager hein, de la nouvelle alliance selon Malachi 4. Donc, il remplit tout. Il est l'ange par excellence, il est le Dieu par excellence, il est l'homme par excellence, il est le chemin, la vérité, tout ça, il est tout. Donc, la septième trompette, <laughs> c'est mes amis, et on nous dit que c'est un rapport avec le Seigneur lui-même. Quand il va parler quand il va sonner, c'est le son de commandement. Regardez pour vous dire que vous allez voir que c'est Jésus-Christ qui va faire retentir lui-même ce son-là. Waouh! Vous savez, dans Jean 10, le Seigneur dit quoi? « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. » Donc, littéralement, je sonnerai la, le chauffard parce qu'il est le prophète par excellence. Or, oh, les prophètes sont des chauffards. Son de trompette crie à plein gosier Dieu disait à Ésaïe 58 crie comme un, 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 un comme, comme un chauffard donc quand le Seigneur dit mes brebis entendent ma voix et elles me suivent il voulait aussi dire par là que le jour de mon retour quand je vais crier mes brebis vont reconnaître le son du chauffard et le psaume mes amis nous dit quoi béni est le peuple qui connaît le son du chauffard voilà, vous commencez à comprendre que la septième trompette, c'est le Seigneur lui-même qui va parler. C'est lui-même. Vous vous rendez compte, mes amis là Regardez ce que le Seigneur a dit. On va, on va. Il y a beaucoup de choses qui m'arrivent là. Dans Jean 5, notez bien ce passage-là. On va aller dessus si j'oublie, rappelez-le-moi. Le Seigneur dit, le, car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, oh, un cri de commandement, parce que l'armée va monter au ciel lorsque ce cri va sortir. Et une voix d'archange. Et avec la, 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 la trompette de Dieu. Donc, la septième trompette, on l'appelle la trompette de Dieu. Le Seigneur descendra du ciel. Waouh! Donc, vous voyez, la septième trompette nous dit quand la Bible dit que quand la septième trompette va retentir, Jésus va descendre du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Aha. Puis nous qui vivrons et qui resterons serons enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et Paul dit quoi C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Donc la parole en question c'est quoi C'est la, 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 le retentissement de la septième trompette. Et les églises qui ne parlent pas de cette trompette-là, vous devez les quitter. Parce que Paul dit que nous devons nous consoler par ces paroles-là. Donc, on doit vous enseigner sur la septième trompette. On doit vous enseigner sur les trompettes. On doit vous parler sur la descente du Seigneur. Regardez, vous allez voir que le Seigneur va vraiment parler, va vraiment descendre. On nous dit que c'est lui-même qui va sonner le chauffard ici. Regardez. Allons voir, mes amis, dans Apocalypse 4. Et Jean 5, on va y aller. Hein? Dans Jean 5, on va y aller, vous inquiétez pas. Allons dans Apocalypse, chapitre. 1. Seigneur, merci pour ta parole qui nous fait du bien. Et, euh, nous sommes dans Jean 1. Apocalypse 1 d'abord, verset 9. Moi, Jean, qui suis aussi votre frère et qui participe à la tribulation, au règne et à la patience de Jésus. Jésus-Christ. J'étais sur l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son de quoi D'une... Ah vous vous rendez compte Jean a été enlevé. Il a voyagé dans le temps. Vous pensez que le voyage dans le temps a commencé avec les films de science-fiction C'est dans la Bible. La technologie se trouve ici. La vraie technologie. Celui qui a inventé la machine à voyager dans le temps, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jean a fait un bond dans le futur. Et là, il voit comment les saints vont partir, il a vu. Il a entendu ce son là. Comme le son d'une trompette. Et regardez au verset 12. Et je, alors je me retournais pour voir celui dont la voix m'avait parlé. Et après m'être retourné, je vis cette chandelée d'or. Et au milieu de cette chandelée d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Ah. Donc là, la septième trompette, c'est Yeshua qui va le faire, le, le, la faire retentir en tant qu'homme. Mes amis, c'est pour cela que ne peuvent partir au ciel que ceux et celles qui sont connus de l'homme de Galilée. Nous sommes dans Apocalypse 4 verset 1. Après ces choses, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel, et la première voix que j'avais entendue, comme quoi, comme le son d'une et qui parlait avec moi me dit: Monte Monte ici. Aha, et je te ferai... Oh mon Dieu, la parole, mes amis. C'est écrit. Ceux qui seront enlevés, ce sont ceux et celles qui vont entendre la voix du berger. Qui dira à ses enfants, à ses brebis, montez ici. Oh mon Dieu, c'est la parole. Donc, le septième ange qui va faire retentir la trompette, mes amis, là, c'est la voix de Yeshua. Regardez, je vais vous montrer que c'est Yeshua lui-même qui parle, qui sonne le chauffard. Déjà, c'est écrit, vous l'avez vu. Mais on va prendre encore d'autres preuves. D'autres preuves. Parce que vous êtes amoureux de la parole, vous aimez les preuves bibliques, comme nous autres, là. Et. Et Dieu nous fait du bien. Nous sommes, mes amis, dans les Écritures, au nom de Yeshua. Nous sommes dans Zacharie 9, 14. Zacharie chapitre 9, verset 14. Rappelez-vous bien que nous allons tout à l'heure lire Jean 5, parce que la septième trompette va provoquer, va, n'est-ce pas, provoquer la résurrection des chrétiens morts et le changement des chrétiens vivants. Alors Yahweh au-dessus d'eux apparaîtra. Et ses dards partiront comme l'éclair, et le Seigneur Yahweh sonnera du chauffard. Et il s'avancera dans le tourbillon du midi. Mon Dieu. Zacharie 9, 14. Voilà un prophète. Je vous ai dit quoi Jean a dit que le mystère de Dieu sera accompli, comme Dieu l'a annoncé à ses prophètes. Eh bien, Zacharie était prophète. Jean a confirmé Zacharie. Paul était prophète, acte 13 le dit, et Jean a confirmé les écrits de Paul. Et on nous dit que Yahweh qui sonnera le chauffard. Or, Jésus, mes amis, <laughs> Jésus et Yahweh, c'est le même être. Parce qu'il ne peut pas y avoir deux septièmes trompettes. Hein? Donc, Yahweh sonne du chauffard. Jésus sonne du chauffard. Donc Jésus est Yahweh. Ce passage-là confirme encore avec beaucoup de force la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout ceux qui ne, ne croient pas en cela soit anathème. Voilà. Yahweh sonnera du chauffard. Jesus Christ. Nous sommes dans Psaume 89, le verset 16. La parole nous éclaire, le Seigneur nous fait du bien, il nous nourrit, il nous guérit. L'évangile pur nous restaure, mes amis, que toute la gloire revienne au maître. La Bible dit dans Psaume 89, verset 16 Béni est le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche, ô oh Yahweh, à la clarté de ta face. Donc, ceux qui connaissent le son du chauffard, ce sont ceux qui sont appelés à marcher. Quand on entend le son du chauffard, on va marcher vers le ciel. Pour quelle raison Pour voir la clarté de la face de Yahweh. Jean nous dit quoi? Quand il reviendra, nous verrons tel qu'il est notre maître. Nous le verrons face à face. Vous voyez que tout ça c'est écrit. Jean ici confirme Psaume, mes amis, 89, euh, euh, 16. Nous marcherons à la rencontre du Maître pour voir sa face. Et nous sommes dans 1 Jean 3. Vous allez voir, le Seigneur va nous éclairer encore ce soir. Voyez quelle charité le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Mais le monde ne nous connaît point parce qu'il ne l'a pas connu. Mais bien aimé. Nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Or, nous savons que lorsqu'il apparaîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tel qu'il est. Voir Dieu tel qu'il est, c'est voir sa face. Donc, vous vous rendez compte et regardez, je dis bien, la septième trompette a un rapport, a un rapport avec la résurrection. Nous sommes dans Jean chapitre 5. Seigneur, sauve-nous. Verset 25. Je crois que Dieu est en train de nous nettoyer là. En vérité, en vérité, ou encore littéralement, Amen, Amen. <laughs> Je vous le dis, que l'heure vient, et elle est déjà venue, que les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Ce qu'elle voit, la septième trompette. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Mes amis, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres. Entendront sa voix et en sortiront. Comment veux-tu que les morts entendent le son du Chauffard? Les morts entendront. Parce que la parole va créer cet organe-là qui leur permettra d'entendre. Alléluia. Mes amis, voyez bien que la parole est là sous vos yeux. Tout est, tout est écrit. Donc vous avez compris que la septième trompette a un rapport avec le mystère de la résurrection. 1 Corinthiens 15, 51, 52 le dit, et Apocalypse 10, 7 le confirme. Paul, Pierre, uh, uh, Jean dit qu'à la voix du septième ange, qui est un archange en fait, c'est-à-dire le chef des chefs, Yeshua lui-même, parce qu'il remplit toutes les fonctions, vous devez le savoir, quand Yeshua va faire retentir cette voix, Yeshua... Qui, en fait, c est, c est, cet archange-là qui va parler, là, cette voix-là, c'est Yeshua directement. Et, et c'est Yeshua qui va parler, qui va faire retentir cette, 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 cette trompette, ce, ce son de trompette. Et la Bible nous dit, le mystère de Dieu sera accompli. Quel est le mystère que nous attendons tous actuellement, mes amis Le mystère dont nous attendons la révélation totale, c'est la résurrection. Parce que c'est encore un mystère aujourd'hui. Un seul était mort et ressuscité. Pour ne plus mourir. Et c'est pour cela que c'est encore un mystère. C'est pour cela que c'est la septième trompette qui va résoudre ce mystère-là. C'est pour cela que la, la, la foi chrétienne et l'évangile sont basés sur la résurrection de Jésus-Christ selon 1 Corinthiens 15. Wow! Mes amis! Et c'est terrible de voir à quel point la parole s'accomplit. Donc quand Paul parle de la dernière trompette, il fait, part, il fait allusion, bien sûr, euh, euh, des, il, Paul avait compris qu'il y avait plusieurs trompettes, mais la dernière était, mes amis, celle qui allait résoudre le problème de la mort. Alors, vous devez savoir que ces trompettes-là, il y en a sept, ne sont pas sorties du néant. En fait, c'est un rapport avec, comme vous le savez, avec la fête des trompettes dans les Écritures. Nous sommes dans Lévitique chapitre 23, à partir du verset 23. Yahweh parla aussi à Moïse en disant Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, au septième mois, le premier jour du mois, il y aura un jour de repos pour vous. Donc, nous apprenons ici que la septième trompette va amener les gens au repos, le repos véritable. Et c'est ce que nous attendons tous. Nous sommes fatigués de ce monde. Il y aura un jour de repos pour vous, pour vous, un mémorial de jubilation et une sainte convocation. Donc, on apprend que les trompettes, mes amis, étaient euh, euh, retentissez, pardon, pour convoquer les gens. Voilà pourquoi à la septième trompette. Nous allons tous être convoqués, mes amis, dans les airs. Et on apprend quoi Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à Yahweh des offrandes consumées par le feu. C'est-à-dire, quand on va partir là, nous serons comme des offrandes que Dieu va agréer. C'est pour cela, mes amis, si vous n'êtes pas consumés par le feu. Présentement, vous ne partirez pas. Le feu, Dieu l'utilise pour nous purifier, selon Pierre. Le feu, c'est l'image de la croix. Donc ceux qui ne sont pas crucifiés, ceux qui ne portent pas leur croix tous les jours, ceux qui ne veulent pas se sanctifier, ceux qui sont dans la masturbation, dans l'hypocrisie, dans le mensonge, dans la cupidité, dans la, 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 le sexe, dans le divorce, dans la polygamie, ne partiront pas. La Bible dit qu'il reviendra, reviendra chercher une église glorieuse, une église sans tache, c'est-à-dire une église, mes amis, qui est passée par le feu. Et le feu est utilisé pour nous purifier, selon la Bible, selon Zacharie notamment. Vous voyez, mes amis Donc, et on nous dit que cette fête, la fête des trompettes, avait lieu le premier jour du septième mois, le mois de Tzri. Hein? Et, et, et ou encore le mois des, Tam, des, Tam, des Tamim. C'est le septième mois dans le calendrier hébraïque. Et vous savez qu'il y avait plusieurs calendriers à l'époque des Juifs, hein, de, 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 à l'époque où ce livre était écrit. Il y en avait au moins quatre, mais deux étaient vraiment euh, principaux. Le premier, c'était le calendrier religieux qui commençait le 14 du mois de Nissan mars-avril, lors de la fête de la Pâque. Ça, c'est le calendrier religieux. Et le deuxième calendrier, le plus important, c'est le calendrier, mes amis civils, qui commence avec la fête, mes amis euh, des trompettes, le premier du septième mois. Vous vous rendez compte Donc, le mois de Nissan, c'est le premier mois, mars-avril, et euh, octobre, novembre, c'est le septième mois. C'est-à-dire le mois de Tishri ou encore de Tamim, le septième mois. Et bizarrement, la fête des trompettes avait lieu, n'est-ce pas, le septième mois, le chiffre 7. Donc nous comprenons par là que Dieu a son calendrier. Et bizarrement, mes amis, il y a sept trompettes. Et celle qui va nous amener au ciel, c'est la septième qui est la dernière. Et la fête des trompettes avait lieu au septième mois. Donc vous voyez bien que la dernière trompette dont Paul parle, à 1 Corinthiens 7, c'est vraiment la septième dont parle Apocalypse. Donc il faut lire les Écritures, mes amis, avec l'esprit de Dieu. Pour ne pas croire aux docteurs, aux enseignants qui vous disent que... La dernière trompette dont Paul parle n'a rien à voir avec la septième trompette d'Apocalypse. C'est des enseignements erronés. C'est la, la même trompette parce que Apocalypse 10 et 7 nous dit que la, la, la dernière trompette, qui est la, la septième trompette, va, n'est-ce pas, euh, euh, amener les gens à. En fait, va faire en sorte que le mystère de Dieu soit accompli. Et Paul nous dit que le mystère de Dieu, le mystère en question, c'est la résurrection de chrétiens. Frères et sœurs, la septième trompette avait lieu, comme vous le savez, vous le savez, lors de la fête de Roche Hachana. Roche Hachana veut dire littéralement tête de l'année. N'est-ce pas? La tête de l'année. C'est la fête du nouvel an, le 1er et le 2 du mois de Tishri. Et vous voyez, mes amis, c'est la. La, 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 le mois qui était le plus, euh, mes amis, euh, respecté chez les Hébreux, parce que selon eux, c'est au septième mois que Dieu a créé le monde. C'est à la fête, mes amis, euh, des trompettes, que Dieu a jugé et juge également le monde. Et ce jour-là, le premier et les deux, hein, ces deux jours du septième mois, les Hébreux faisaient retentir plusieurs sons de chauffard. Et il y avait... Mes amis, beaucoup de repentance. Les gens se repentaient énormément. Parce que le 10 de ce septième mois, c'était la fête de Yom Kippour, le jour du grand pardon. C'est le seul jour de l'année où le grand prêtre entrait dans le sein de saint pour faire des sacrifices en vue de la propitiation des peuples, de leurs péchés, l'expiation des péchés du peuple. Alors, Regardez bien au verset euh, euh, 23, on nous dit au verset 24, parle aux enfants d'Israël et dis-leur au septième mois, le premier jour du mois. Alors le, mois, le mot mois ici signifie littéralement nouvelle lune. Et le calendrier hébraïque est un calendrier, n'est-ce pas, l'unisolaire. Les années sont solaires et les mois lunaires. C'est-à-dire, à chaque nouvelle lune, c'était hein, le, le début des mois. À chaque nouvelle lune. Et cela, nous, par là, nous comprenons que, en fait, quand Yeshua va venir, lorsque la septième trompette va retentir, eh bien, nous allons être illuminés par la lumière du soleil levant qui est Yeshua. Vous voyez Et nous, Ça nous renvoie à, à, à Genèse 1, ça nous renvoie dans Genèse 1 où Dieu disait qu'il a mis dans le ciel les deux grands luminaires. Le soleil et la lune pour marquer les époques, pour marquer les saisons, pour marquer le temps, et également pour éclairer. Et c'est pour cela qu'il a associé, mes amis, la fête de trompette également à la lune, à l'éclairage. Et ça nous renvoie à Ésaïe dans Ésaïe 60 verset premier Lève-toi et sois illuminé, car ta lumière arrive. Donc c'est une lumière qui marche. Une lumière qui marche, mes amis. <laughs> et c'est pour cela que c'est le temps de se lever. Ce n'est ne plus le temps de s'asseoir dans les bâtiments d'église et écouter tout le temps les mêmes pasteurs qui ne changent pas. Des mêmes pasteurs qui vont vous demander la dîme, qui vont vous demander, mes amis, la, 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 euh, d'aller vous endetter pour donner à l'Assemblée afin d'acheter leur bâtiment qui vont vous demander, mes amis, de sacrifier vos familles, vos foyers, vos femmes, vos enfants, vos maris, pour les enrichir. Eux, c'est le temps de se lever, de ne plus s'asseoir, mes amis, sur son, dans son confort, s'asseoir, mes amis. C'est le temps de se dire, Seigneur, nous voulons nous lever pour pouvoir te servir véritablement. Chaque chrétien doit chercher à savoir dans quoi Dieu l'appelle, parce que le Maître est en train de venir, mes amis, nous prendre. Les six trompettes ont déjà retenti. Et la septième trompette, mes amis, s'apprête à sonner. Et avant qu'elle ne sonne, Dieu suscite des prophètes, des hommes et des femmes. Dieu appelle des messagers, des messagères, des hommes et des femmes de par le monde. Et il les utilise pour parler. Il les utilise pour crier. Il suscite des frères et soeurs, des familles pour avertir. Dieu donne des signes. Dieu donne, mes amis, à, son, à ses enfants, le discernement pour saisir le temps, l'époque à laquelle nous sommes. Et nous serons changés comment Parce qu'on nous parle du changement. C'est un mystère, on nous parle du changement. Allons voir. Dans Philippiens, chapitre 3, nous lirons à partir du verset 20. Mais pour nous, notre cité est dans les cieux. Il n'a pas dit aux États-Unis. Il n'a pas dit au Vatican. Et dans les cieux. Il n'a pas dit une cité pastorale qu'il faut construire au Congo. Comme le font les pasteurs congolais de Paris. Quelques pasteurs congolais, pas tous, mais quelques-uns. Les, les, les pharisiens. Qui sont avec les impudiques, les adultères, les, les, les voyous spirituels qui éclaircissent la peau. Certains d'entre eux qui sont en soutane, fuyez les pasteurs qui sont en soutane et cravate, soutane et collets cléricaux, quittez-les. Ce sont des impudiques, la plupart. D'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation pour le rendre conforme à son corps glorieux. Selon le pouvoir par lequel il peut même s'assujettir toute chose. Mon frère, ma soeur, voilà le message du temps. On nous parle ici de Yeshua qui va transformer le corps de notre humiliation. Nous avons des corps, hum... mes amis, complètement vils, des corps malades, fatigués, qui s'usent avec le temps. Et on nous dit que nous allons subir une transformation. Quelle grâce. Quelle grâce. Mes amis, vous vous rendez compte de ce qui se passe ici? Et transformer ici signifie littéralement changement ou changer de figure. Changer de figure, mes amis. Et c'est terrible. C'est-à-dire notre face va être changée. Transformée. Et on aura, le, le, les, en fait, nos corps seront pareils que le corps que Jésus-Christ avait après sa résurrection. Nous allons voir ça dans Luc. Il avait quoi comme corps Quel corps Quel type de corps Allons voir, mes amis. Oh Seigneur, merci pour ta parole qui nous fait énormément de bien. Luc 24, verset 36. Comme il tenait ce discours, Jésus se présentant lui-même au milieu d'eux et leur dit Que la paix soit avec vous. Donc, déjà avec ce corps-là, on n'est plus lié, limité par la matière. On peut traverser la matière. Il leur dit Mais, mais, mais eux, tout terrifiés et effrayés, croyaient voir un esprit. Ça veut dire que nous aurons, mes amis, l'apparence des esprits. Ah Voyez, non et Il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi montent-ils des pensées hein, dans vos cœurs Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, car un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme, dans, comme de joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils s'étonnaient, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger ils lui présentèrent un morceau de poisson rôti et un rayon de miel. Et l'ayant pris, il mangea devant eux. Ça veut dire que nous allons manger. Après la résurrection, nous allons continuer à manger. Mes amis, c'est une grâce. C'est terrible de voir à quel point Dieu décide de nous donner le même corps que Jésus-Christ avait après sa résurrection. C'est-à-dire, on peut paraître à des endroits après notre résurrection. Pendant le millénium, ça va être la même chose. On ne va pas, nous qui aurons connu la, la, la résurrection, on ne va pas prendre de transport comme c'est le cas aujourd'hui. On pourra, mes amis, se déplacer comme Jésus-Christ pouvait se déplacer après sa résurrection. Et ça, c'est terrible. Et nous allons manger. Nous aurons des, des os. Nous aurons de la chair. Hein, comme les corps que nous avons actuellement, mais qui seront transformés. Et 1 Corinthiens 15 nous, dit, nous donne nous d'autres détails. 1 Corinthiens 15. Paul, notre grand frère, a reçu beaucoup de révélations par rapport à ce corps que nous aurons. Regardez ce que Paul dit. À partir du verset, mes amis 12. Et si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns d'entre vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts Car s'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ aussi n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Et même nous sommes de faux témoins de la part de Dieu, car nous avons rendu témoignage à l'égard de Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitaient pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent, tous ceux qui sont morts en Christ, tous ceux qui dorment en Christ sont perdus. Si nous n'avons d'espérance en Christ que pour cette vie seulement, nous sommes les plus misérables de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui dorment. Quelle grâce. Car puisque la mort est venue par un seul homme, c'est aussi par un homme que est venue la résurrection des morts. Car comme tous meurent en Adam, de même aussi tous vivront, hein, seront vivifiés en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui sont à Christ seront vivifiés lors de son avènement. C'est une grâce. Ensuite viendra la fin quand il aura remis le royaume à Dieu le Père, après avoir aboli tout empire, toute puissance et toute force. Regardez, mes amis, ce que la parole nous dit plus loin. Plus loin. Au verset. Et, euh, et nous, verset 30. Et nous, pourquoi sommes-nous en danger à toute heure Tous les jours, je suis exposé à la mort. Je l'atteste par la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Si j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse dans des vues humaines, quel profit m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Oh, comme beaucoup de païens le disent, hein? on va tous mourir de toute façon, mangeons, buvons. C'est une erreur, mes amis. Il y a une vie après. Ne soyez pas séduits. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Réveillez-vous pour vivre justement et ne péchez pas. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Mais quelqu'un dira Comment les morts ressuscitent-ils Comment les morts ressuscitent-ils Et avec quel corps oh, un sens, c'est ce que tu sèmes. ne reprend pas vie s'il meurt s'il ne meurt pas. et quant à ce que tu sèmes, tu, tu ne sèmes pas le corps qui naîtra, mais le grain tout nu, selon qu'il se rencontre de blé ou quelque autre semence. mais dieu lui donne le corps comme il le veut, et à chacune des semences son propre corps. toute chair n'est pas de la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre est la chair des bêtes, autre celle des poissons, autres celles des oiseaux. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Voyez ce que la l'apôtre Paul nous enseigne ici. Au verset 45, il dit, et au verset 44, il dit, il en sera aussi de même à la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé dans le déshonneur, il ressuscite dans la gloire. Il est semé dans la faiblesse, il ressuscite dans la force. Il est semé corps animal. Il ressuscitera corps spirituel. Waouh! Il est semé corps, mes amis, corps animal, il ressuscitera corps spirituel. S'il y a des corps, s'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. En fait, nous allons ressusciter avec des corps incorruptibles. C'est-à-dire, nous ne pourrons plus être séduits. Adam était parfait avant sa chute, mais il n'était pas incorruptible. Il était corruptible. Bien qu'il n'était pas encore tombé dans le péché, mais il était quand même corruptible. La preuve, la preuve, ben il est, il s'est corrompu. Mais nous, après la résurrection, nous ne pourrons plus être séduits. Fini. Quelle grâce. Tout ça, grâce au Seigneur Yeshua, grâce à l'œuvre de la croix. Wow. Donc ça, hein, c'était d'abord pour encourager, je voulais d'abord parler de la résurrection, pour encourager toutes les personnes qui sont euh, 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 éprouvées, qui sont blessés, qui sont attristés par la perte d'un être cher, un être cher qui était chrétien, notamment. C'est pour vous dire qu'il y a une vie après la mort. C'est aussi pour encourager tous les chrétiens qui sont condamnés par la médecine, qui sont malades, qui ont peur de mourir. C'est pour vous dire, frères et sœurs, n'ayez pas peur, il y a une vie après. Nous allons être ramenés, nos corps physiques seront restaurés, ressuscités, avec mes amis, euh, 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 des corps, on aura des corps glorieux comme le corps que Yeshua avait. Et pour ceux qui seront en vie lors de, du retour de Yeshua, eh bien nous aurons pareil hein, de corps transformés, complètement transformés. Il n'y aura plus de blancs, de noirs, de pauvres. De, on aura, il n'y aura plus de femmes, d'hommes. C'est fini. On, aura, on sera comme des anges. On n'aura plus de sexe. On aura plus, nous n'aurons plus d'organes de reproduction. On aura, mes amis, euh, des corps comme Yeshua avait. Et ça, c'est aussi un encouragement euh, aux uns aux autres. Et ce qui va se passer, c'est que nous allons être enlevés. Comme euh, euh, et, et Enoch, qui a marché avec Dieu et qui a été enlevé, pris par le Seigneur. Comme Élie, qui a été enlevé. Ces deux hommes, ces deux prophètes, n'ont pas connu la mort. Dieu les a enlevés. C'est pour nous annoncer, mes amis, l'enlèvement en, euh, euh, futur de l'Église. Et nous allons partir. La parole nous dit clairement que de deux personnes qui seront dans un. Dans un lit, un homme et une femme, bien sûr. L'une sera partie, l'autre sera prise, l'une sera prise et l'autre laissée. Et on va disparaître pour aller à la rencontre de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Frères et sœurs, le Seigneur est en train de nous demander, de nous préparer. Il nous demande vraiment nous appelle, il nous invite à la préparation, il nous invite à la prière, à la sanctification, il demande à son troupeau, mes amis, à son, à son peuple de se lever, de se préparer pour son retour glorieux. Pourquoi Parce que c'est lui qui va convoquer son peuple, c'est lui qui va, mes amis, sonner le chauffard pour que le peuple se prépare à son retour. Et nous devons nous préparer, mes amis, la septième trompette va retentir, euh, peut retentir d'une seconde à l'autre. Pourquoi? Parce que le Seigneur est en train de donner des visions, des songes à son peuple dans le monde entier, disant qu'il est en train de revenir. Et regardez ce que la parole nous dit par rapport euh, au retentissement de la septième euh, trompette. Mes amis, nous sommes dans Apocalypse 11, verset 15. Le septième ange sonna de la trompette. Et il se fit entendre au ciel de grandes voix qui disaient Les royaumes de ce monde sont soumis à son Seigneur et à notre Seigneur et à son Christ et il régnera d'âge en âge donc vous voyez déjà on voit qu'au à, à, retentissement de la septième trompette les royaumes de ce monde seront soumis soumis à l'autorité du Mashiach. voilà c'est à dire c'est la fin mes amis du règne de l'antichrist c'est la fin mes amis euh, en fait, quand on parle de la septième trompette, il y a l'enlèvement, bien sûr, et sept, trois, quelques années après, le Seigneur va revenir, moins de sept ans au moins. Hein, il va revenir sur terre. Donc, euh, en fait, quand la septième trompette va retentir, le Seigneur va dire maintenant, c'est bon, le septième an sonna de la trompette et il se fit entendre au ciel de grandes voix qui disaient, les royaumes du monde sont soumis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera d'âge en âge. Vous voyez et encore on nous dit au verset 16, alors les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et adorèrent Dieu en disant Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était et qui vient Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était et qui vient Qui vient, c'est Yeshua. Et les anges et les 24 anciens disent que Yeshua est le Tout-Puissant. Alors pourquoi ne voulez-vous pourquoi ne voulez-vous voulez pas le croire mes frères et sœurs, mes amis. De ce que tu as fait éclater ta grande puissance et de ce que tu as agi en roi, eh bien oui, les nations se sont irritées, mais dans ta colère, hein, mais ta colère, pardon, est venue et le temps est venu de juger les morts et de donner la récompense à tes serviteurs, les prophètes et aux saints, et à ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de détruire ceux qui corrompent la terre. Et le temple de Dieu fut, fut ouvert dans le ciel et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une grosse grêle. Donc pour la première fois, l'arche va paraître dans le ciel. Et quand l'arche apparaît quelque part, quand l'arche apparaissait en Israël, c'était le roi qui s'installait. L'apparition de l'arche dans le ciel. Mes amis, ici, est très symbolique, très significatif. Hein, significatif, tout ça. On, 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 nous comprenons que cette apparition de l'Arche hein, euh, parle littéralement, hein, montre que le Seigneur, notre Dieu, prend possession de, mes amis, euh, de son règne. Il va régner, il va dominer, il va, mes amis, euh, voilà. En fait, on nous parle ici des, des nations qui ont, mes amis, euh, qui se sont irritées, c'est-à-dire là, là-dedans, là, vous pouvez comprendre qu'il y a eu euh, y a la guerre d'Armageddon qui se sera résolue, réglée, tout ça. Voilà, donc la septième trompette, quand elle va retentir, le Seigneur va descendre, il enlève l'église, et ensuite il revient physiquement, il juge les nations, n'est-ce pas Et on nous parle de la récompense aussi de, de, de ses serviteurs. Lorsqu'on va être enlevé, qu'est-ce qui va se passer à votre avis, après l'enlèvement Ce pas tout de les noces. Hein? Après l'enlèvement, selon 2 Corinthiens 5.10 et Romains 14, nous allons tout de suite, nous les chrétiens, passer. Nous allons passer au tribunal de Christ, selon 1 Corinthiens 3. C'est là que nous allons rendre des comptes. Nous allons rendre des comptes sur la gestion des dons, des talents que Dieu nous a donnés. Et il y en a qui sortiront de ce, de ce tribunal, bien sûr, couronnés. D'autres ne le seront pas, mais ils seront quand même sauvés. Voilà. Et c'est pour cela que Jean nous dit ici que quand la septième trompette va retentir, eh bien, Dieu va récompenser ses serviteurs, les prophètes. Il va récompenser les saints. Voilà. C'est là qu'on aura des récompenses. Parce qu'on va passer par le tribunal de Christ. Après le tribunal de Christ, nous allons passer par, mes amis, euh, euh, les noces. Voilà. Alors regardez ce que Paul nous dit. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, on va le lire. Le verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le selon donc, euh, afin que chacun reçoive selon les bonnes choses ou les mauvaises qu'il aura pratiquées étant dans son corps. Vous vous rendez compte? Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Donc ce tribunal-là n'a rien à voir avec le tribunal du grand trône dont il est question dans Apocalypse 20. Là, c'est le tribunal pour juger les impies. Et on l'appelle le, 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 le tribunal du grand trône. Mais par contre, le tribunal de Christ, ici, fait allusion, mes amis, à la récompense que les chrétiens vont recevoir après la résurrection, après l'enlèvement de l'Église. Et c'est magnifique. Et euh, ça nous renvoie à la parabole des talents, des mines. Ça nous renvoie, mes amis, euh, euh, à 1 Corinthiens chapitre 3. Hein, chapitre 3, que je vais lire pour vous, chapitre 3. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 14. Qu'est-ce que Paul nous enseigne ici Et à partir du verset euh, euh, et, euh, 11, pardon car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle sera manifestée par le feu, et le feu éprouvera de quelle façon est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement demeure, il en recevra la récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira la perte, mais pour lui, il sera sauvé toutefois comme par le feu. Vous voyez bien que ces gens qui n'auront pas de récompenses seront quand même sauvés, mais comme au travail de feu, au travail du feu, et euh, ces chrétiens enlevés, bien sûr. Et voilà, donc vous voyez bien que, mes amis, la parole s'accomplit ici, la parole, est, euh, les prophètes se complètent les, les uns aux autres. Et Jean nous dit qu'au retentissement de la septième trompette, le temps de la récompense des saints, des prophètes sera accompli. Et euh, il parle aussi de l'arche qui va paraître. Hein? L'apparition de l'arche, mes amis, fait allusion, comme je vous l'ai dit, à, à, au règne de Yeshua. Et on nous dit également que euh, euh, Dieu va également, n'est-ce pas, manifester sa colère. C'est-à-dire, il va juger les nations. Tout ça, c'est un rapport avec le retentissement de la septième trompette. Donc, il y a une succession des choses qui vont avoir lieu après le retentissement de la septième trompette. Il va y avoir d'abord la résurrection, mes amis, des chrétiens morts en Christ. Les autres morts ne seront pas ressuscités encore, seulement les morts en Christ, pas ceux qui sont morts à l'époque de Moïse, même pas Moïse, mais essentiellement les morts en Christ. Parce que le Seigneur revient d'abord pour l'Église, ensuite il reviendra physiquement pour Israël. Donc, la septième trompette retentit. Il y a la résurrection des chrétiens. Il y a l'enlèvement, la, euh, 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 la transformation des chrétiens vivants et morts, et ils vont être enlevés dans les airs. Deuxièmement, on va passer par le tribunal de Christ, où nous allons rendre des comptes sur la gestion de l'œuvre, sur la gestion des biens, des moyens, des dons que Dieu nous a donnés. Et troisièmement, nous allons passer par, n'est-ce pas, les noces de l'agneau. Et après les noces, quatrièmement, nous allons... Descendre sur terre visiblement, et Yeshua va, n'est-ce pas, mettre fin à la guerre d'Armageddon. Satan sera lié pour mille ans. Et euh, l'Église va juger les nations, selon 1 Corinthiens 6. Israël sera jugé par les douze apôtres, selon les propos du Seigneur dans, dans Luc 22. Et après le jugement des nations et le jugement d'Israël, Israël va être restauré. Il va y avoir une résurrection nationale. Comment? Une ré, 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 réparation, rétablissement, euh, restauration d'Israël. Il y aura en même temps à son retour visible la résurrection de Moïse, d'Abraham, d'Isaac, parce qu'ils vont être ressuscités. Mes amis, quand Yeshua va revenir pour Israël. Voilà. Et euh, il va, le Seigneur va bien sûr mettre. De côté, les, les, après le jugement des nations, hein, donc euh, les boucs seront jetés vivants, donc les impies dans les temps de feu, selon Matthieu 25, 41. Voilà, il va nettoyer la terre et il va établir son royaume de Milan. ans. Voilà comment ça va se passer. Donc, on parlera de ces choses-là euh, dans les prochains enseignements. Mais nous avons d'abord voulu ce soir mettre l'accent sur la septième trompette. Et vous parlez des choses qui vont, hein, euh, ce, 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 qui vont arriver, qui, comment ça va se dérouler, la trompette va retentir, nous allons partir à la rencontre du Seigneur, les chrétiens vivants et les chrétiens morts, transformés, changés, ayant des corps glorieux, des corps incorruptibles, imputrescibles, des corps non soumis au péché ni à la tentation, euh, des corps qui ne mourront plus jamais, c'est fini. On nous partirons à la rencontre du Seigneur. Nous allons passer par le tribunal pour rendre des comptes sur la, 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 la manière dont on aura, n'est-ce pas, exercé notre service sur terre, comment on aura proclamé l'évangile pour les prédicateurs, comment on aura géré même les moyens financiers matériels que le Seigneur nous a confiés, même nos enfants, tout ça. Et après ça, on va passer par les noces. Et eh bien, les noces, mes amis, ce sera aussi le sujet euh, d'un enseignement bien spécifique, bien particulier. Et là, ça va être glorieux, mes amis. Euh, ça va être la fête au ciel et euh, voilà. Donc, ce soir, je voulais plutôt mettre plutôt mettre l'accent sur le départ qui est très imminent, hein, qui, qui va, qui peut avoir lieu d'une seconde à l'autre, parce que les temps sont pratiquement accomplis. C'est pour cela, mes amis, nous, nous devons nous préparer et euh, dans nos assemblées, nous devons, euh, on doit nous parler du retour du Mashir, nous parler de la trompette que nous attendons tous, hein, donc ce euh, qui est la septième trompette. Voilà. Et, euh, et là, ben, ça va être le, le, le départ le mystère de la résurrection sera accompli. Voilà, la résurrection est le grand thème de la Bible. C'est ce qui fait la différence entre l'évangile basé sur la mort et la résurrection de Yeshua et les autres religions qui, mes amis, ne peuvent pas vous rassurer et vous assurer également une vie après la mort, qui ne peuvent pas, mes amis, vous donner l'espérance par rapport à la mort, qui est l'ennemi le plus dangereux, le plus terrible, le plus terrible de l'homme. Et, euh, et, euh, et seul l'évangile basé sur Yeshua peut vous apporter cette espérance-là. Vous qui ne connaissez pas Dieu encore, vous qui cherchez encore à savoir, vous, cherchez, vous qui cherchez Dieu, eh je tiens personnellement à vous dire ce soir qu'il y a une victoire, une victoire, une victoire qui a été remportée. La victoire face à la mort a été remportée par Yeshua, qui a dit dans Apocalypse 1,18 J'étais mort et voici, je suis vivant d'âge en âge. Je tiens les clés, je tiens les clés de la mort et de l'enfer. Seul Jésus peut vous libérer de la mort. Seul Jésus qui a vaincu la mort peut vous en libérer. Seul Jésus et lui seul peut vous inviter au ciel. Il a dit dans Jean 10, je suis la porte des brebis. Seul lui, Jean a vu cette porte dans le ciel qui s'est ouverte, c'est Yeshua. Il n'y a pas deux portes. Une seule porte. Et il a dit, monte ici. Oh, quand ce jour-là va venir. Mes amis, je ne sais pas dans quoi nous serons. Il y en a qui seraient en train de prêcher, d'autres en train de chanter, de louer, d'adorer, de prier, d'autres au collège, au lycée, au travail. D'autres seront en avion sur la, euh, des navires, ils seront en train d'opérer des malades. Et tous ces chrétiens vont partir, mes amis. Des disparitions simultanées, massives, dans le monde entier. Et si vous apprenez, si vous entendez dans les radios, dans, les, dans la télévision, qu'il y a des disparitions des chrétiens partout dans le monde entier, sachez que vous êtes restés. Préparons-nous pour le retour du Mashiach. Sortez de la religion. Sortons de la religion. Sortons du péché. Allons vers le Seigneur. Il est temps de proclamer le message de la repentance, de la conversion à Dieu pour le salut de nos âmes. Dieu existe. Dieu nous donne la preuve de son existence au travers de sa parole qu'il nous a révélée, au travers de toutes, toutes ces guérisons qu'il opère, tous ces miracles qu'il qu opère, au travers de toutes ces conversions, ces confessions. Il est temps, il est temps. Que les saints réalisent qu'Yeshua n'est plus loin. Que Dieu vous garde, mes amis. Que Dieu vous encourage. Il va y avoir cette semaine, si Dieu le permet, une émission, une émission spéciale sur les exactions, les, les exactions, pardon, sur les exactions, sur euh, les dépravations, sur euh, mes amis les comportements euh, anti bibliques Toutes ces exactions de tous ces faux pasteurs, ces faux prophètes au Congo, Kinshasa. En Afrique, on va dénoncer ouvertement euh, ces gens, dénoncer également ces chantres chrétiens qui, mes amis, vont faire allégeance aux chantres mondains, aux musiciens profanes, et, et qui, mes amis, euh, euh, ne parlent plus de la vérité, qui se sont complètement paganisés. On va parler de toutes leurs, euh, toutes leurs dérives, toutes leurs exactions, toutes leurs, tout, leur, tout, leur, tout, leur, tout ce comportement anti-biblique, on va dénoncer. C'est méfaits. Que Dieu vous garde, mes amis. Et nous vous donnons rendez-vous demain soir pour parler des coupes de la colère de Dieu. Que Dieu vous garde. Au revoir.